cas sportif du Stade Brestois, c'est ici. Ce que vous voyez à Le Blé ou devant votre télé, c'est seulement la partie émergée de l'iceberg, car au quotidien, ce sont dans ces locaux que les joueurs professionnels et le staff préparent les rencontres. Ceux qui suivent le club depuis des années ou des décennies savent que nous n'avons pas toujours disposé d'infrastructures de la sorte. Alors en 2016, quand tout ceci est sorti de terre, sur le complexe de Kerlaurent, le Stade Brestois s'est mis au niveau de l'exigence du football professionnel. Si aujourd'hui la sérénité et les résultats sont au rendez-vous, c'est aussi en grande partie grâce à ce centre d'entraînement entièrement dédié à notre équipe fagnole. Avec des vestiaires très fonctionnels, des locaux médicaux d'un bon niveau, un espace de musculation ou encore une grande salle de vie, tout est réuni pour permettre aux joueurs de ne penser qu'au football. Nous avons aussi souhaité mettre l'accent sur les pelouses, car on joue comme on s'entraîne. Et la qualité du jeu développé par le Stade Brestois trouve forcément en bonne partie ses raisons sur la grande plaine de jeu et le terrain en pelouse hybride dont nous disposons. Ces lourds investissements étaient nécessaires pour passer un cap. Nous avons également choisi un naming correspondant à nos valeurs et à notre image. Nous sommes donc ici au centre SICA Prince de Bretagne, un acteur économique majeur de notre région dans lequel nous nous retrouvons et dont nous sommes très fiers de porter le nom.